Hello, c'est toujours Cathy, toujours sur Writer. Et sur ce 35e petit tutoriel, je voudrais vous montrer un petit truc assez sympa qui vous permet, à partir d'un document de Writer. Ici, j'ai ouvert un document qui s'appelle Tableau, sur lequel j'ai deux tableaux et sur lequel, par exemple, je vais supprimer le premier. Je vais donc sélectionner le premier. Voilà. Donc sur ce tableau-là, j'aimerais vous montrer sur ce tutoriel comment on peut insérer un document Writer qui existe déjà et faire glisser, insérer un tableau de calque sur ce document-là. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très pratique aussi. Ici, je vais cliquer ici, je voudrais insérer un document de Writer. Donc je vais cliquer sur Insertion et tout en bas, je vais cliquer sur Documents. Le document que je veux insérer s'appelle présentation d'un courrier tabulation par exemple hein. Donc je clique dessus pour y aller le chercher dans les documents hein. Vous pas de souci hein. Moi je l'ai mis sur mon bureau pour que ce soit plus pratique. Je prends donc le document ici Writer qui est déjà fait et je vais ouvrir. Et voilà. Ça me permet donc de lancer d'insérer sur le document où il y avait le tableau là un courrier que j'avais déjà fait. C'est extrêmement pratique. Ensuite, je souhaiterais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire glisser un tableau de calque qui existe déjà, par exemple une liste d'adresses que j'avais déjà fait pour les adresses bulle-postage. Je vais donc réduire un niveau inférieur ma feuille de Writer afin d'avoir la place et je vais aller chercher le document de calque. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais aller chercher sur mon écran les adresses calque que j'ai ouvert quelque part qui s'appelle adresse étiquette ici. Donc je l'ouvre directement, il arrive et ces adresses-là ont été faites sur calque. Elles sont là, hein, je les avais mis en attente. Donc normalement, hein, c'est à la taille de mon écran. Même principe que pour Writer, je réduis ma feuille calque. Vous voyez, elle est là. Donc, je peux la mettre un peu plus petite. Donc à côté, ici, j'ai le document avec le tableau sur lequel j'ai inséré le document Writer, la lettre. Et en dessous, je souhaiterais mettre le tableau de calque. Eh bien, vous allez voir, c'est super simple. Et c'est bon à savoir lorsque vous avez besoin de prendre un tableau à partir de calque pour le mettre ici sous forme de tableau, sous forme d'image en fait, hein. Vous allez voir, je sélectionne donc le tableau qui est sur Excel, qui était ma base de données des adresses. Et si je veux les mettre sur mon fichier Writer à droite, je sélectionne mes cellules. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je le déplace tout simplement sur mon fichier Writer qui est à droite. Regardez. Du coup, vous avez sur mon fichier à droite le tableau que j'ai fait glisser. Je reviens en arrière ici pour remettre mon fichier adresse. Hein. C'est important pour qu'il reste ici. Et ici, vous avez sur Writer, le tableau d'Excel. Regardez. Alors sous forme d'image, hein. Voilà, il n'y a pas de modification possible sur le tableau, sur le fichier Writer, hein. Mais c'est hyper pratique si vous voulez insérer ça. Je recommence. Je vous remonte. Je reviens en arrière. Ici, j'ai donc ouvert le fichier. Je quitte. Voilà. Juste pour vous montrer. On a donc mon fichier Writer sur lequel au départ j'avais mon tableau, sur lequel nous avons inséré ici la lettre qui existait déjà avec le menu Insertion Document, ce qui permet d'insérer un document. J'ai cliqué sur Présentation courrier et j'ai dit Ouvrir.
Je l'annule. C'est bien le courrier qui est ici que j'ai inséré sur le document avec le tableau. Ici, j'ai réduit ma feuille niveau inférieur que je peux balader sur l'écran. Hein. Je suis allé ouvrir mes adresses étiquettes que je voudrais insérer sur ma feuille Writer, sur mon document Writer. Le voici. C'est bien adresse étiquette LibreOffice Calc. Je ne veux pas retaper un tableau pour inscrire ça. Je vais donc sélectionner le tableau qui est sur Calc. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé avec le bouton gauche et je le fais glisser dans mon document Writer. Attention, ici sur Calc, on l'enlève, hein. Donc sur Calc, je reviens en arrière afin de bien garder sur Calc les données de Calc du tableau. J'enregistre Calc, bien évidemment. Je le quitte. Et regardez ici, c'est génial. Vous avez pris, j'ai pris les données de Calc, je les ai fait glisser sur Writer sous forme d'image. Je ne peux pas changer les données ici, hein. Je reste appuyé, je peux faire glisser ou agrandir le tableau que j'avais pris de Calc. Mais c'est très pratique. Enfin, moi, je trouve ça génial. Voilà, donc comment insérer un document Writer dans un autre document Writer et comment faire glisser un tableau de Calc dans ce même document. Voilà, à bientôt.